Et pour produire la cérémonie, les organisateurs ont appelé à la rescousse l'ancien producteur de Sinatra et de Michael Jackson, Quincy Jones. Une façon, en quelque sorte, de donner un petit peu de peps à cette cérémonie 68e du genre. On compte déjà parmi les favoris Clint Eastwood et Meryl Streep pour Sur la route de Madison, le trio Scorsese, De Niro et Sharon Stone pour Casino, le duo Oliver Stone, Anthony Hopkins pour Nixon, peut-être Nicole Kidman pour À tout prix et John Travolta qui devrait être nommé pour son rôle de gangster dans Get Shorty. Bref, du beau monde à suivre. Pour l'Oscar du meilleur film étranger, la France a présenté Gazon maudit. Réaction tout de suite de la principale intéressée, Josiane Balasco. Qu'est-ce qu'il aura pris ? Je suis agréablement étonnée, mais très surprise. Qu'est-ce qu'il aura pris ? C'était ça ma première réaction. Qu'est-ce qu'il vous a pris ? Je ne fais pas partie de la nomenclatoire des metteurs en scène dits sérieux. J'étais très étonnée, à la fois très fière, parce que bon, peut-être qu'en me pré-sélectionnant moi, on reconnaissait le droit au public d'avoir le goût de rire, quoi. Je crois que c'est ça. Parce qu'on a tellement fait sentir au public qui aimait les comédies qu'il avait des goûts de chiottes, que finalement, le fait que ce film représente la France, si jamais en plus il est sélectionné après pour Hollywood, ça rassure un peu les gens. Vous n'êtes pas si con que ça, vous allez voir des films qui vont à Hollywood, ou qui peuvent aller à Hollywood. Comment Gazon maudit s'est retrouvé justement sur la scène en plus ? C'est mystère et boule de gomme. C'est un jury qui délibère dans secret et on ne sait pas pourquoi ils en arrivent là. J'ai payé personne, je n'ai couché avec personne du jury, puisque je ne les connaissais pas. J'ai pas filé d'enveloppe, donc voilà. Cette année, la cérémonie des Oscars sera présentée par Whoopi Goldberg. Qu'est-ce que ça vous... Moi j'aime bien Whoopi Goldberg. Je trouve que c'est une actrice formidable. Vous avez l'impression que la cérémonie sera justement peut-être un petit peu plus enlevée que d'habitude ? Elle sera certainement moins chiante que les Césars, de toute façon, hein, ça on le sait. Alors, Josiane Balasco ira-t-elle aux Oscars ? Réponse le 25 mars. En tout cas, pour l'instant, on sait que si la France a proposé Gazon maudit, l'Espagne, elle, a présenté La fleur de mon secret de Pedro Almodovar.